Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Stories de Junior Le Bourg. Si c'est la première fois que toi tu viens ici, ou si tu es déjà venu ici mais tu ne t'es pas encore abonné parce que tu veux tester ton niveau de sorcellerie, pardon, rien qu'à cause de Dieu seulement, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Comme ça, la prochaine fois quand il va publier, on va seulement te dire que Junior Le Bourg a encore publié une vidéo. Tu vas seulement sauf que venir regarder, liker et puis partager à tes amis. Aujourd'hui, je viens vous faire le résumé de la web réalité et Banza, cette télé-réalité à la gabonaise qui se joue sur Telegram. Et comme je vous avais dit, vraiment désolé du silence, ça fait 3 semaines que je ne suis pas là, alors que j'étais censé être vos yeux et vos oreilles dans ce jeu. Je m'excuse, mais aujourd'hui, je vais vous faire le résumé de ces 3 semaines là. Donc vous n'allez rien rater. Si j'ai été absent, c'est parce que mon téléphone a eu un gros souci. C'est passé du P20 Pro au P20 Pro Phantom écran noir. Donc ça s'est cassé et puis jusqu'à présent, je n'ai pas le téléphone. Voici pourquoi vous voyez aujourd'hui, je filme, je fais cette vidéo, j'ai même déjà une grosse caméra qui me filme là-bas, un joli petit micro que j'ai dans les mains. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant 3 semaines? On a découvert les secrets, on a balancé les indices des gens, les gens se sont clashés. Mince, je vous raconte tout après mon joli petit générique. Restez connectés. Les stories de Junior Le Bourg. On commence. On s'aborde. On live. On partage. On live. On s'aborde. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de partager. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de liker. Partage à ta famille. Partage à tes parents. Très bien. Bon, déjà au départ, ils étaient 15. Mais avec le temps, 8 ont été virés par le public après les nominations. Et Gerciel, la bête de Romina, est sortie pour des raisons de santé. Je souhaite que les choses aillent mieux pour toi, Gerciel. Je sais que tu vas me regarder après cette vidéo. Une fille bien qui avait le truc, mais il manquait le machin pour faire la chose. Je ne sais pas ce que j'ai voulu dire, mais j'ai dit. Donc, ils ne sont plus que 9. Et je vais alors vous faire la présentation des 9 candidats qui restent, car j'ai eu l'occasion de les croiser. Grâce, alors, que dire de toi? Je ne l'ai pas vu, je ne mens pas. Oxy, ça fait 3 ans que la fille s'y participe, elle aime alors le jeu. C'est le bof go. Je ne sais pas si le gars s'il y a une stratégie, ou bien sa stratégie, c'est de montrer qu'il n'a pas de stratégie. Mais bon, bref. Merka, Anini, la petite là, elle a un truc, ne suivez pas son petit corps. Quand elle déclenche le clash, hein, il faut seulement appeler le commissaire du jeu, monsieur Chaldi, pour venir calmer le jeu. Il y a encore Zita qui est dans le jeu, il y a Romina. Et Romina, la baisse de Gerciel, elle c'est une philosophe, elle ne gère pas les bêtises, gars, elle réfléchit mal. Olsen, actuellement, c'est le gars le plus visé du game, gars, le boyfriend de Oxy, je vois que les gens sont déjà en couple dans le jeu. Carl, Mr. Carlito, lui c'est une machine, un dangereux de première, le genre que... Le gars est venu, mon frère, tu sens qu'il ne gère pas les émotions. Lui, il est seulement venu, c'est là pour mettre le désordre dans le jeu. Et enfin, il y a Daniel, un genre de blonde. Si vous connaissez les blondes, Daniel, elle est comme ça. Lors de la dernière sortie, Carl lui a demandé si elle faisait semblant ou bien elle faisait exprès d'être stupide. Moi-même, je suis perdu. Après la présentation des différents candidats restants, nous allons passer au résumé de ces 3 dernières semaines. Première semaine, maman, c'était la semaine où les candidats étaient chauds la mort. C'était les clashs de partout, les buzz de partout. Et on a eu droit à 2 buzz. Le premier buzz, il nous vient de Oxy. Comme un prédateur qui calcule sur quelle langue attraper sa proie, elle a buzzé après différentes enquêtes. Le secret de Romina, la baisse de Gerciel et bim, confrontation face to face en mode vidéo. Je vous laisse voir vous-même. Coucou Romina, bonsoir. Je sais que c'est la 2e confrontation et j'espère que ce sera la bonne. Bon voilà, je pense que ton secret est que tu as des relations sexuelles avec quelqu'un qui est dans ta famille. Pourquoi je le pense? Parce que mon premier buzz c'était, je pense que Romina, bon que tu as Romina, que tu as des relations sexuelles avec ta cousine. Peut-être que j'ai un peu poussé le bouchon loin en disant avec ta cousine et genre j'étais un peu traitée d'homosexuel. Et donc, vu que ton indice de secret est vraiment en rapport avec l'inceste, je n'ai pas envie de le changer. Et donc je pense vraiment que tu as des relations sexuelles avec quelqu'un dans ta famille. Voilà, c'est ça. Et j'espère que cette fois, je ne vais pas me tromper. À tout à l'heure. Apparemment, je suis ta cible. Tu te limites au simple fait que, selon toi, l'indice renvoie à l'inceste. Je crois que tu te trompes encore. Vraiment encore. Parce que si on lit bien l'indice, ça ne renvoie pas seulement à l'inceste. Je ne saurais quoi te dire encore si ce n'est le fait que de t'encourager à buzzer. Après cette confrontation, Oxy a alors validé son buzz. Regardez vous-même la délibération grâce aux captures d'écran du groupe Telegram dans lequel tous les candidats sont réunis.
Je vous laisse en même temps écouter les explications de Romina. Alors, mon secret a été découvert par la candidate Oxy, dont je félicite les efforts qui ont été récompensés. De ce fait, il m'a été demandé de donner des explications. Je suppose que c'est pour les curieux. Alors, il y a de cela un an, je rencontrais un homme à l'université qui m'a fait des avances que j'ai fini par accepter. Et donc, on a commencé une relation. Cette relation a duré quasiment 9 mois. Étant donné que la personne à laquelle j'ai vraiment confiance est ma cousine, j'ai bien voulu présenter mon partenaire à ma cousine. On a vraiment eu des difficultés parce que ma cousine vit à Port-Gentil. Mais fort heureusement, l'occasion s'est présentée et on a pu avoir un rendez-vous à trois. Lors du rendez-vous, c'est là où j'ai eu les problèmes des choses de la télé. Pas moi seul. Nous avons eu à vivre les choses de la télé, s'il faut dire ça comme ça. Donc ma cousine est arrivée, j'étais avec mon partenaire. Elle était étonnée en fait. Elle nous a posé des questions bizarres du genre tu ne la connais pas et à moi tu ne le connais pas. On était étonnés et donc elle a levé le voile sur le lien entre griffes que l'on avait. Disons que j'avais avec mon partenaire. Elle m'a fait comprendre que lui il est le fils de la sœur du conjoint de sa mère à elle. Elle lui a dit que je suis la fille de la sœur de sa mère à elle. je ris, mais c'était bouleversant d'apprendre que quelqu'un avec qui on a commencé à avoir des projets où il y avait déjà des sentiments, bien évidemment, on avait déjà eu un contact physique. Donc c'était pénible, on était tous les deux choqués sur place. Je disais tantôt qu'on était tous les deux choqués. Il est rentré chez lui bouleversé et moi, avec ma cousine, j'étais vraiment, vraiment, vraiment triste. On a fait des mois sans se parler à cause du choc. Et après quelques temps, on a quand même fini par reprendre le contact et décider d'arrêter la relation. J'avoue que c'était difficile en fait, vraiment tenu, surtout compte tenu du fait qu'il y avait déjà des sentiments, il y avait des projets, de l'attachement surtout. Voilà, c'est un peu ça. En gros, on ne savait pas, vraiment on n'avait pas connaissance du lien, du petit lien que l'on avait. Je tiens à préciser que c'est j'ai eu des relations sexuelles avec mon cousin. Pas j'ai des relations sexuelles avec mon cousin, c'est-à-dire que c'est fini. On a bien compris que la relation ne pouvait pas aller quelque part, ça ne pouvait pas continuer. Donc, ce qui revient à dire que dans le jeu, Romina n'a plus de secret. Elle se bat alors pour tenter de gagner cette saison et remporter la prime de 100 000 francs, sans compter qu'elle cherche aussi à trouver les secrets des autres. Oui, parce que dans les Bonza, même si on a trouvé ton secret, tu peux toujours continuer le jeu afin de remporter ta cagnotte à la fin du jeu si tu es parmi les trois finalistes. Après cette révélation, on passe au deuxième buzz, celui de Zita, qui a buzzé Grâce et on regarde. J'ai buzzé parce que je pense avoir trouvé le secret de Grâce J, qui est « Je suis lesbienne ». Eh bien, pourquoi? Parce que Grâce J, tu te comportes comme mon amie Darlene. Donc, voilà pourquoi je le dis, par ton comportement, tes attitudes, ta façon de faire en fait. C'est ce qui m'emmène à penser ça, que tu es lesbienne. Et j'ai eu à te faire quelque chose dimanche, tu n'as pas réagi en fait. Si, t'as tué une kidnappe, vrai. Bon, juste ça, je sais pas quoi te dire, hein. Buzz, alors, tu as buzzé, d'accord. Bah, t'as qu'à confirmer ton buzz, c'était sûr de toi, comme tu le dis. Je suis fatigué, pardon, ne m'épuisez pas. Zita n'a pas trouvé le secret de Grâce, donc Grâce garde toujours son secret dans le jeu. Et c'est ainsi que nous passons donc à la deuxième semaine. Une semaine où les candidats ont eu droit à une sortie. En période de Covid, alors que le corona se balade au Gabon, ils se sont retrouvés dans une plage privée pour se voir et resserrer les liens. Ce sont les retombées que vous voulez voir, maman. Je vais vous montrer tout. Vous savez que j'ai dit que ce seraient vos yeux et vos oreilles. Vous allez sauf que voir. Les retombées.
cette deuxième semaine a été marquée par la publication de l'indice de Olsen. Je vous laisse regarder et puis vous allez me dire ensemble, selon vous, quel peut être le secret de Olsen à travers cet indice. Voilà, vous venez de voir l'indice du secret de Olsen qui a été publié lors de la deuxième semaine et jusqu'à présent, personne ne l'a trouvé. Voilà alors la troisième semaine qui arrive en beauté. Un chill de plus dans une villa de Libreville. C'était un chill de malade où j'ai battu Karl à son propre jeu, le Buzzles. Le gars a voulu me tester, il a confirmé le retour. Je ne peux même pas vous montrer les images car il y a une règle. Ce qui se passe au chill, reste au chill. Cette semaine, place à la guerre des clans. D'un côté, les jaunes avec Romina comme chef, Célio, Olsen, Karl et Gerciel dans son équipe. Et de l'autre côté, la team des Verts avec Grasse comme chef et Merka, Oxy, Zita et Daniel étaient dans son équipe. Les Verts ont gagné et les jaunes étaient alors nominés. Gerciel ne pouvant plus continuer l'aventure pour des raisons de santé, a donc décidé de quitter le jeu. Oui, se sacrifiant ainsi en quelque sorte pour les membres de son équipe. Et lors du Prime, une série de dilemmes. Les perdants ont vu leurs indices balancés. Et donc, premier indice, celui de Zita, qui est celui-ci. Quiconque a perdu quelque chose qu'il pensait être le sien pour toujours se rend compte que rien ne lui appartient vraiment. Quiconque a perdu quelque chose qu'il pensait être le sien pour toujours se rend compte que rien ne lui appartient vraiment. Vous pouvez dire en commentaire, selon vous, quel est son secret. Je vous mets au travail. Donc, commencez à chercher. Deuxième indice, nous avons ces deux photos pour le secret de Olsen. Wonderful. Logicien, c'est même simple. Troisième indice, il appartient donc à Daniel. On regarde ensemble. Et le dernier indice, il appartient tout simplement à Grace. Je vous laisse regarder et on se retrouve derrière. Vous avez les indices, alors allez chercher et venez me mettre les propositions des secrets en commentaire. Je profite déjà pour vous dire que je participe à un concours, donc je vais vous mettre le lien dans la description. Puis vous partez voter pour moi. Ouais, je ne vous fais pas les vidéos cadeaux, Aka. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce résumé de 3 semaines. On se retrouve dimanche pour le résumé de 7 semaines. Et je vous rassure, ça va péter. Il y a beaucoup de buzz en ce moment. Donc, on se retrouve dimanche prochain. Restez connectés. Ciao, ciao. Excusez-moi, c'était juste le message que je veux transmettre à toute la nation gabonaise et la population mondiale. Merci. Ceux qui peuvent comprendre vont comprendre. Même sur Facebook, tu peux partager. Il faut t'abonner, il faut liker. Partager, liker, s'abonner. Liker, s'abonner.